tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Hérault, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Béatrice Garcia. Béatrice, bonjour. Bonjour Sophie. Béatrice a été pendant 10 ans une manager plutôt conventionnelle, au sens on pourrait l'entendre en France. Tu es ensuite passée dans le coaching, le développement personnel, c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur. Tout à fait. Et donc ça a été pendant une période d'à peu près 7 ans. Mm-hmm. Et ensuite, tu es revenue à tes amours premières, le management, mais en conciliant le coaching. Alors c'est justement le thème de cette interview, comment on peut devenir un manager coach et ton expérience en fait de 3-4 ans là sur cette forme de management va être précieuse je pense pour les gens qui nous regardent. Alors ma première question c'est comment tu as réussi à introduire le coaching dans le management et finalement passer outre un peu ce qui se fait habituellement en France. Alors, comment introduire le coaching? En fait, ça se fait tout en douceur, puisque une des postures principales du coaching, c'est l'écoute. Et j'ai donc appris à écouter les salariés, leurs difficultés, tout ce qui leur posait problème au quotidien, pour justement faire des ressources et pour qu'on puisse ensemble travailler pour que ça puisse ne plus être une problématique. Donc moi, je pense qu'essentiellement, c'est ne pas dire qu'on fait du coaching, mais d'avoir une posture. Je crois que c'est vraiment une question de posture vis-à-vis des personnes qu'on accompagne au quotidien. Donc, je pense que ça, c'est la principale chose. Ensuite, en ayant été moi-même coach, ça m'a permis aussi plus facilement d'être sur une vision un peu plus large, un peu plus, je dirais, holistique, pour pouvoir prendre bien pour pouvoir vraiment réussir à prendre l'entreprise, en tout cas en l'occurrence un hôtel-restaurant pour ma part, pour que chaque service soit coordonné et surtout pour faire en sorte que les services se parlent et communiquent entre eux. Parce qu'on peut rencontrer des difficultés entre les différents services qui ont du mal à communiquer. Or, un hôtel-restaurant, on est là vraiment pour coordonner tous les services ensemble pour la prestation de qualité qu'on doit fournir aux clients. Oui, parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous préciser. Donc, Béatrice est directeur d'exploitation d'un hôtel-restaurant. Tout à fait. Et donc, en fait, dans ton management, non seulement il y a la difficulté de gérer une équipe, mais en plus, il y a celle des saisonniers. Donc, des gens qu'il faut arriver à motiver. En quoi, finalement, cette approche par le coaching dans ton management, quel bienfait tu en as vu? Quels ont été les effets bénéfiques? Alors, c'est vraiment le mot motivation. Tu as parlé de motivation, évidemment. Comment motiver des personnes qui n'ont jamais eu l'habitude de travailler ensemble et de réussir à avoir, un point commun pour que chacun puisse trouver sa place au sein d'une équipe, au sein de chaque équipe, puisqu'il y a une équipe cuisine, une équipe service, une équipe réception, hébergement. Et bien, chacun doit travailler ensemble et c'est cette communication, c'est-à-dire une ouverture, c'est-à-dire apprendre les uns aux autres bien, par des remplacements, par exemple, quelqu'un qui est au service qui peut aller à l'hébergement, donner un coup de main à l'hébergement, quelqu'un qui est en service qui peut aussi aller donner un coup de main en cuisine, c'est-à-dire aussi par le fait que chaque poste est défini par un profil de poste, bien sûr, mais qu'ensuite, chacun peut expérimenter d'aller dans un autre service pour comprendre le travail de l'autre. Parce que plus on comprend, plus ensuite on peut être à même à faire en sorte que la qualité soit là dans les échanges avec les différentes personnes. Parce que là, ce que j'entends, c'est que en allant expérimenter d'autres choses, alors on reste toujours dans une même entité, mais en l'occurrence, on met en œuvre quelque chose qui est d'ordre du collectif et non plus de l'ordre de l'individuel, alors même que l'expérimentation est individuelle. Exactement, c'est qu'en fait, pris individuellement, les gens comprennent les choses, mais en même temps, il faut qu'à un moment donné, ils le mettent dans le sens du collectif. Donc, c'est important individuellement de bien comprendre que la prestation première qu'on doit fournir aux clients, c'est la qualité du service, de l'accueil, du sourire, de la présence, de l'écoute. Et ensuite, effectivement, comprendre que tout ça, c'est le client, il doit être accueilli à la réception, écouté à la réception, au restaurant. Ce qui veut dire que non seulement quand la personne est, quand le client est là, c'est d'avoir la même qualité de service auprès du client pour que le client se sente vraiment accueilli. Si on parle un peu de conflit, comment toi tu gères justement les conflits de salariés dans cette approche-là?
Alors, déjà, il faut être à l'écoute de certaines conflits. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire que je ne suis pas une directrice qui est enfermée dans mon bureau. C'est-à-dire que tous les jours, je suis sur le terrain. À des moments importants où on a effectivement les clients le matin au petit déjeuner, au moment des réceptions, de l'accueil des clients quand ils arrivent le soir. Je peux être le soir aussi au restaurant, je peux être au bar, pour commencer à comprendre et être à l'écoute de voir ce qui se passe. Et de sentir quand il y a des tensions. En fait, ma formation ensuite de coach m'a permis de sentir, tiens, là, il y a une tension qui n'est pas exprimée. Je vais donc aller accueillir cette tension auprès de la personne, du salarié, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et pour la faire redescendre, pour pas qu'elle puisse s'exprimer vis-à-vis d'un client. Et ça, c'est-à-dire avoir un sens de l'observation. Moi, ma formation en coaching m'a vraiment permis de développer mon sens de l'observation. Et m'a vraiment permis de voir quand je pouvais sentir une tension, d'aller justement faire en sorte de communiquer avec le salarié pour qu'elle ne s'exprime pas autrement. Souvent, en fait, ce qui est reproché aux personnes qui s'intitulent manager coach et qui ont mis le coaching dans leur approche, c'est d'être trop proche de leur équipe. Comment toi, tu gères ça, en fait? Alors, j'ai envie déjà, première, ça veut dire quoi être trop proche d'une équipe? Parce que je pense que justement, plus l'équipe est soudée et plus l'équipe a son manager qui est là pour les emmener, hein, on est là pour les accompagner et les à la fois leur transmettre aussi des choses. Si on n'est pas suffisamment proche de ces équipes, il est difficile de comprendre ce qui se passe et de comprendre les problématiques et de justement de pouvoir faire en sorte qu'on trouve ensemble les solutions. Je peux connaître moi certaines solutions. Maintenant, c'est pas moi qui dois toujours donner les solutions. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi eux faire des propositions. Et je pense que c'est parce que je suis proche aussi de mes équipes que justement ils s'autorisent à donner des solutions que peut-être ils ne s'autoriseraient pas dans un management classique. Ou bien souvent dans un management classique, c'est le manager qui détient la solution. Or, moi, je pars du principe que je ne détiens pas forcément la solution. Mais l'équipe elle-même, le collectif peut détenir la solution. Donc ça va être, après un service, échanger entre nous et faire émerger quelque chose et se dire, OK, maintenant tout le monde est OK autour de cette solution-là. On en prend acte et on va la mettre en place dès le lendemain. Est-ce qu'il y a une expérience où tu as constaté que introduire le coaching dans ton management, ça a vraiment été quelque chose de décisif? Oui, donc j'avais, lors d'un poste que j'ai occupé en saison, une chef de réception qui avait une petite tendance à vouloir être trop sur le terrain, à presque vouloir, entre guillemets, prendre ma place. Et on a pu, dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis demandé quelle était la meilleure manière pour lui faire comprendre sans qu'elle puisse se sentir en décalage par rapport à ce qu'elle essayait de faire, puisque ça partait quand même d'un bon sentiment, ça partait quand même d'une bonne initiative de sa part. Et donc, on a eu quelques mots, malgré tout, quelques échanges, et elle s'est sentie écoutée, ça c'est sûr, elle s'est sentie entendue et écoutée par ce que je pouvais lui dire, hein. Et surtout, c'est qu'elle a pris du recul, c'est-à-dire que dans notre échange, je dis, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, vous prenez du temps, vous de votre côté, pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment on va faire évoluer notre relation, parce qu'en fait, c'était ma chef de réception sur laquelle j'avais besoin de compter, et de savoir comment j'allais pouvoir, suite à cet échange un petit peu malgré tout houleux, pour qu'on puisse réussir à faire en sorte que notre relation n'en pâtisse pas. Et ben dans le fait qu'elle ait compris, en prenant ce temps de recul, en s'autorisant toutes les deux à se dire les choses comme elles étaient, et ensuite à prendre ce temps de recul, on a renforcé notre relation et ça nous a vraiment permis de devenir une vraie équipe ensuite pour pouvoir continuer de travailler ensemble vis-à-vis même des autres salariés. Alors j'ai encore une question, mais je suis curieuse de nature. On a beaucoup parlé de ta relation avec les collaborateurs. Souvent le manager, il a les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire il y a les collaborateurs, pas en dessous, mais en tout cas, voilà, avec qui, enfin, cette équipe qu'il a avec lui. Et souvent, il y a des directives qui viennent du dessus. Est-ce que tu as été confronté à des situations où justement, bah, ça colle pas et comment tu as réussi à retourner la chose? Alors oui, j'ai vécu une expérience puisque quand je suis arrivée dans un groupe où j'ai été directrice d'un hôtel, mon directeur s'est mis en arrêt maladie pour burn-out et donc je me suis retrouvée face à une nouvelle équipe et face à une situation que je devais gérer moi-même.
grâce à ma formation de coach et en tant que manager coach, j'ai donné la priorité justement à mes équipes en me disant que bah, même si moi je n'étais pas aidée ni épaulée au-dessus de moi, si je n'étais pas accompagnée, en tout cas j'avais cette compétence moi de pouvoir m'aider moi-même en tant que manager coach, de pouvoir réussir justement à ne pas me laisser déstabiliser par le manque de direction, par l'absence, je dirais, de direction au-dessus de moi. Donc, et c'est vraiment une expérience très, très riche parce que si je n'avais pas eu cette formation de manager coach, j'aurais été très vite déstabilisée, je n'aurais pas assumé mes responsabilités en tant que directrice d'exploitation et je n'aurais pas effectivement rempli ma mission tant au niveau des chiffres qu'au niveau des relations humaines. Ce qui a été difficile, c'est qu'effectivement ensuite un nouveau directeur est arrivé et j'ai pas eu l'occasion de bien m'entendre avec lui parce que c'est quelqu'un qui par contre n'était pas du tout dans la même posture que la mienne et qui n'était pas là pour aider ses équipes et qui n'était pas là du tout pour être à l'écoute des difficultés que je pouvais rencontrer. En tout cas, moi j'ai essayé de lui en parler, j'ai essayé de faire remonter des informations et il n'est jamais été présent par rapport à toutes les difficultés que je pouvais rencontrer. Mais cependant, j'ai quand même réussi cette expérience parce que j'avais cette formation de manager coach, de pas être du tout déstabilisée par une vraie absence de direction au-dessus de moi. Oui, ou quelque chose qui vient pas en conflit, mais presque, au moins en contradiction peut-être avec ses propres valeurs, ses propres convictions. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qui t'a permis aussi de garder cet équilibre et ton professionnalisme en toute chose, quoi. Si tu devais donner des conseils à des managers qui aimeraient aller dans cette démarche d'introduire plus de coaching dans leur quotidien professionnel, tu leur dirais quoi? Je les encouragerais vivement. La première des choses, c'est que se comprendre en tant que manager et comprendre comment soi-même on peut accompagner une équipe et peut vraiment faire en sorte de trouver du plaisir dans le management, parce que je sais que dans le management classique, on n'a pas toujours du plaisir, hein, parce que justement, on est confronté à une science molle qui est quand même la relation humaine, et l'humain est quand même quelque chose qui n'est pas forcément stable, hein. Donc ça permet déjà de comprendre en tant que manager comment l'autre fonctionne, mais surtout comment soi on fonctionne. Et à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, on peut s'autoriser, on peut réussir à mieux justement comprendre les autres et du coup de mieux accompagner et emmener ses équipes vers un objectif commun et surtout travailler sur le faire ensemble, quoi. Bah écoute, Béatrice, un grand, grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions et Dieu sait que j'en avais encore pour cette interview. Le thème était passionnant, donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Si y a des personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus dans la démarche et te contacter, comment elles pourraient le faire? Alors, j'ai effectivement sur les réseaux sociaux LinkedIn, hein, j'ai donc une page LinkedIn et je souhaiterais conseiller aussi quelques livres. Voilà. Donc, deux en tout cas de Jean-François Vézina, qui est un psychologue québécois. Un qui s'appelle Les hasards nécessaires et le deuxième Danser avec le chaos. Bon, bah encore un grand merci pour ce partage. Et pour vous, chers auditeurs, bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Bye!